Le jeu a commencé. Bonjour à tous, dans cette nouvelle partie au jeu de Go, on affronte un joueur premier Q à égalité. Donc on va jouer au chien ou à droite. On a 20 minutes chacun, plus 5 fois 30 secondes. Donc j'espère que cette fois-ci ça va être la bonne, puisque mes deux derniers adversaires m'ont abandonné au bout du troisième ou quatrième coup. On va jouer Komoku dans cette direction, il joue Komoku également, et Sansan, ok, très territorial. Donc là avec ce message, c'est j'ai le coin et on verra pour le reste. Et là un peu plus flexible, ok. On va jouer sur ce bord sud, une extension naturelle. Et là, ouais, soit il prenait la sienne, soit il approchait ce coin naturellement. Il pouvait aller par là, ou prendre le Sansan directement. Jouer sur le bord nord, il est assez large. Lui, il m'approche naturellement, très bien. On défend comme ça. Et il fait Nobi, ok, ça c'est particulier. Le coup le plus classique, bien sûr, c'est de faire S17 pour blanc. Mais ça amène aux 2-3 séquences de Joseki qu'on connaît, où je fais R15, il répond, je joue soit Q15, soit Q14, et les suites qu'on connaît. Donc là, si je viens ici, ça lui donne la gueule de tigre, je vais là, certes j'ai un beau coin, mais il a une forme sympathique. Après j'ai un beau coin quand même. Rien que défendre ça, il devait jouer ce coup-là, ça a l'air gros quand même de venir défendre ici. C'est la base de vie commune. Peut-être que même si ça l'empêche de faire une bonne forme, c'est sûr. Mais en soi, il pousse derrière en S17, je recule, et il s'étend. Finalement, est-ce que j'ai gagné grand-chose? Je sais pas. Je pense qu'on va bloquer de ce côté, coin bord centre. Je pense que c'est pas si mal. Même si on lui donne une belle forme, en soi, il n'est pas encore vivant. Nous, ça nous donne pas mal de points ici. Et d'accord, il s'en va. Attention à ça, parce que dès que Noir vient en R12, il faudra prouver que c'était une bonne idée quoi, de la part de Blanc. Parce qu'il n'y a pas de deux yeux encore. Bien sûr, pour le moment, on va répondre. On ne voudrait pas que Blanc il rajoute un coup en P4. Donc clairement ici, naturellement, on a envie de répondre P4 pour connecter ses pierres. Ensuite, soit il cross-cut, soit il descend. Il vient de ce côté, d'accord. Il a une façon de jouer particulière. J'ai bien envie d'aller faire tout simplement cette gueule de tigre. S'il pousse là, on bloque. S'il pousse là, on avance. Sur la deuxième ligne. Lui, il pousse sur la deuxième ligne. Donc, c'est pas bien grave. Et s'il coupe, on descend. Ça prend les pierres. Donc, cette descente a l'air pas mal. Il joue très très vite. Hein. Trop vite, on pourrait dire. Dans ce cas-là, je viens prendre les pierres. Hein, c'est... Même s'il va peut-être faire un petit truc de ce côté, c'est énorme en fait. Oui, il va... qu'est-ce que je fais? Cet atari, je pense que c'est à prohiber, parce qu'il répond et après je dois revenir. Il pourra toujours avoir ça... Non, peut-être faire cet atari d'abord, il pourra prendre en chicho. Donc je perds ma pierre directement. Donc soit je prends directement les pierres, soit je pousse ici. Une fois. Tac, tac. Non, si je pousse là, il fait d'abord cet atari. Dans ce cas-là, il vaut mieux que j'aille en Q2, parce que maintenant, quand il fait cet atari, je vais pas répondre là, je vais capturer. Alors que si je viens là, il fait d'abord cet atari, et je vais aller ici, du coup. Je vais pas descendre, sinon il me capture. Donc j'irai là, et ça me fait un angle vide. C'est chiant. Pas très beau. Donc on va venir prendre direction. C'est quand même très gros, hein. On a deux coins qui sont quand même très agréables. C'est un début de partie assez bon pour Noir. Sachant que ici, c'est pas très stable. Et à voir ce qu'il fait de ces pierres là, mais ça n'a pas l'air top non plus. On pourrait descendre, je capture, protéger. Il aura un mur, mais en soi on peut venir pincer ce mur puisqu'on craint rien de l'autre côté. Donc là il hésite entre les deux atari, j'imagine. Voir la connexion directement. Ça doit être tout à fait possible également. S'il connecte directement, qu'est-ce qu'on fait? On joue ailleurs en fait. Peut-être qu'on pousse là une fois. Mais en fait ça donne envie de juste pincer. Il peut descendre certes, on capture, mais ça revient au même. Bon, déjà, on capture. Hein. Là, il n'y a pas le choix de pas descendre en première ligne, hein, sinon ça lui donne N1 en plus, donc c'est cool pour lui. Et il monte, très bien. Donc il n'avait pas envie de s'alourdir un peu comme ça, mais en soi, ici, il laisse une coupe possible. Bon, pour le moment, on ne va pas couper. Hein. Chicho, il y a l'escalier. Mais, s'il se passe quelque chose par là, il pourrait y avoir la coupe. Ou... Il me reste tout simplement un coup vers M4. S'il connecte,
elle fait angle vide et une forme très lourde. Donc si je vais là, il aura envie d'aller par là, j'imagine. Et moi, il faudrait pas que je coupe tout de suite, ce serait pas très bon. Pour le moment, on va jouer ailleurs, aller par là justement. Ça menace l'escalier. Et en même temps, en coup d'approche, on empêche Archimari, ça ne peut pas être trop mauvais. Dans ce cas-là, il pince. Est-ce que cette pince, elle empêche le chichou? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'elle empêche le chichou. En tout cas, on va écraser pour le moment. On va prendre de la force, de l'influence. Parce que là, il développe un début de boîte ici. Là. Il veut, dans l'idéal, blanc, il aimerait développer un beau moyau ici. Un grand territoire potentiel. Bon, on peut encore rentrer tranquillement, hein, y a pas de souci. Déjà, il faut d'abord réfléchir, est-ce qu'il répond en E17 ou est-ce qu'il répond en D16? Ça, c'est pas évident. Il préfère ne pas couper. Très bien. Dans ce cas-là, nous, on continue. Et là, il a le choix entre G17 ou G18. Il joue ça, très bien. La différence, c'est que si en jouant ça, je peux décider d'aller là et de pousser encore. Alors que quand il joue G18, c'est un peu plus petit, mais au moins, il y a moins ses coups CNT pour noir. Avec ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On est quand même bien dans la partie. Donc ça me donne envie de juste venir par là. S'occuper de ses pierres, en fait, directement. On a déjà pas mal de cash. On a quoi ici? On a 15 points. On a quoi? On a 10, on va dire 25. 27 avec les deux pierres capturées. Ici, bon, c'est pas, voilà, on va dire qu'on est à 30, grosso modo. Et lui, c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire pour le moment. Combien de points il va se faire. Il n'a pas de commis, il faut se dire aussi. Là, on a le CNT. Je pense qu'on est en avance. Hein. De toute façon, oui, c'est assez facile à dire, en fait. On va venir directement mettre la pression sur ces pierres. Avant de perdre le timing. On est costaud à peu près partout. Ici, même s'il pousse là, on descend, il devrait revenir là pour faire ses yeux. On pourrait aller là, il doit connecter d'une manière ou d'une autre, et après on peut venir par là. Lui, il ferait 3 points pendant que nous, on développe ça en plus. L'échange est plutôt sympathique. Il peut aussi... Non. J'allais dire, il peut Tenuki, bon, c'est peut-être un peu dur. On fait le Kema là. C'est un peu dangereux peut-être. Ouais. Il peut aussi bah, j'imagine le Tenuki d'envisager hein, pour ajouter un coup par là. Imaginons F4 et dire regarde, je peux développer quelque chose d'énorme quoi. Après, on peut encore rentrer. Notamment grâce aux faiblesses ici. Il décide d'aller là, d'accord. L'idée c'est si je saute tout simplement en Toby. Il peut toujours connecter par-dessous en S12. Il y a une petite séquence, si je vais en S13, il coupe, je prends la pierre, il fait atterrir par-dessus, je réponds, et il essaye de connecter par-dessus. Et après le S12, si je viens en S11, même séquence de l'autre côté. Donc là, à moi de me dire, est-ce que je veux bien faire ça, et de toute manière, il fait pas beaucoup de points, s'il passe par là, je peux même écraser. Ou est-ce que j'ai envie d'être sévère et de jouer un Kosumi. On attaque, on fait le Kosumi en direction du côté qu'on n'a pas peur de renforcer. Typiquement, là, j'ai envie d'attaquer ça, donc peut-être que je vais jouer de l'autre côté. Paf, il monte, je monte. On va voir ce qu'il fait avec ça. Là, ces pierres-là, elles n'ont pas deux yeux tout pour le moment. D'ailleurs, comme c'est contre un Q à égalité, si je la gagne, peut-être que ça me refera passer deux Q, ce serait bien. Ce serait pas mal. Il fait Kosumi lui-même, très bien. Dans ce cas, il n'a pas répondu de ce côté, donc on va attaquer cette pierre.
et aider les nôtres au même passage. Il nous coupe, est-ce qu'on coupe? Si je coupe, il peut faire Atari, tac, la descente. On peut faire cet Atari, il vient là, puis on recule. Celui-ci doit remonter, mais nous on peut attaquer par là. J'imagine. Ouais, un truc genre. Ça a l'air plutôt ok. Parce qu'il est toujours pas vivant ici. On descend. Peut-être qu'il va connecter tout de suite. Non. Atari d'abord, avant de reculer. Et ensuite on recule. S'il coupe, est-ce qu'on a l'escalier d'ailleurs? Pour l'instant, il faut qu'il monte, hein, comme on disait. Et maintenant, aller par là. S'il vient ici. Donc là, c'est le Boshi. S'il vient ici, on fait un Kema. S'il vient là, on peut aller là. On vient ici. Il coupe, mais on vient là. Et on vit avant lui. Donc on attaque. Il ne vient pas à l'intérieur. Très bien. Il vient de ce côté. Pour me dire, si je vais là, il peut couper. Si je recule ici, prendre la pierre. Si je viens là, ça donne quoi? On va juste couvrir de ce côté. Ça n'a pas l'air de très bien marcher de l'autre côté. On gagne de la force en soi. On le bloque. Et il vient là. On bloque. Il va sûrement vivre, hein, mais on gagne une force assez conséquente sur l'extérieur. Très bien, on vient ici. Atari. Est-ce qu'on peut bloquer par là? Ou est-ce que c'est plus prudent? En fait, bloquer par là, c'est surtout, il capture, je vais là, mais il a plus là ici. Bon, après, il peut bloquer ici. On pourrait aller là. Alors que là, si je protège, il peut aller ici. Et il est vivant. Je pense. Oui. Et moi, si je viens là maintenant, il capture. On vient ici. En fait, on se crée plein, pas mal de points de coupe. Et pour aller là ensuite. Et nous, quand on coupe, il a un double Atari ici. On est obligé de capturer. Il y a un co un peu chiant. Donc, on va plutôt le laisser vivre et faire une muraille assez solide. C'est plus prudent. Et il vient par là, très bien. Donc là, il attaque un peu ce groupe, hein, ses menaces de jouer par là. Du coup, je suis pas certain de ma séquence. Oh, on va protéger la coupe. Tac, s'il fait ça, je vais là. Tac, s'il fait ça, on vient ici. Il a le temps de capturer. On viendrait là. Ah, j'ai l'impression qu'il est. Il pourrait prendre cette pierre. Ouais, c'est un peu chiant. On va plutôt aller par là. Ah, c'est pas. Pas très agréable. Mais si on fait ça, ben il gagne 7 Atari. Ouais, là on a pas fait les meilleures formes. Peut-être par là du coup, mais s'il coupe Atari, il va là. Atari, il va là. Finalement on est séparés ici. On peut encore pousser. Il sort, on pousse, il sort. Mais on peut pas prendre ses pierres facilement. Tac. Il vient ici, on pousse, il vient là. On pousse, il vient là, on pousse, il vient ici. Et il est connecté. Ok, pas évident. Si je protège ici, est-ce que ça lui met plus de pression? Tac, il ne peut pas sortir.
Et si on fait ça, tac, tac, il a un œil ici, on vient là, il vient ici, Atari, tac. Et on sort. Mais il peut reprendre la pierre. Et il aurait deux yeux ici. Donc j'ai rien d'intéressant ici, j'ai pas de bon coup, j'ai l'impression. Je n'ai pas de bon coup. Tac, tac, tac. Il capture. Alors on va faire ça, je pense. Même s'il capture, bon, c'est goûté. Et après, on va écraser là-bas. Mais là, on lui a donné des... Pas très content de ce qu'on donne. Il vient par là, très bien. S'il vient ici, je capture. Je risque plus grand-chose, donc on va juste aller ailleurs, parce qu'il est vivant, et oui, ça, c'est chiant. Mais... Peut-être le moment d'aller là avant qu'il rajoute un coup vers F4. Tout simplement. C'est la zone importante, là, clairement. Plus tard, il faudra jouer sur ce mur également en jouant vers J17, ça peut être pas mal. Peut-être qu'il va vouloir jouer là d'abord. Dans ce cas-là, on capture. Ouais, je pense quand même. Et en même temps, s'il joue là, que je joue par là, qu'il connecte et que j'ajoute un autre coup, il prend trois pierres, mais finalement on aurait eu trois coups gratos quoi. Donc il vient ici, soit je joue ici, soit je fais Toby. Je pense qu'on va jouer solide, il y a quand même pas mal de pierres blanches dans la zone, on va rester un peu solide. Il joue là, très bien. Et on va descendre en solide. Il va jouer par là, j'imagine. Ouais. Ouh, sévère. Très sévère. Ok. Ça donne envie d'attaquer comme ça également. S'il fait ça, tac. Il risque d'abîmer vachement toute sa position ici. On va d'abord faire ce pip. Voir s'il réagit comme ça ou comme ça. Je pense qu'il réagit avec L3 ici. C'est peut-être plus prudent. Ouais, j'imagine. Ça semble naturel en fait de réagir comme ça. S'il connecte. S'il connecte, ça donne envie d'aller en J3. Voir. Taper dessus ici. Tac, il fait là. Fait crosscut. Je sais pas. Il a pas l'air de savoir non plus. Il a pas l'air de savoir ce qu'il peut faire là. Et en même temps, s'il joue là. Peut-être que je suis content de couper tout de suite, parce que c'est pas encore clair exactement la situation avec ce groupe. Ouais, peut-être qu'il connecte hein, quand même. Ouh. Alors là, je suis pas très fan de son K3. Pourquoi? Parce que quand je coupe, à la différence du L3, qui protège ses deux pierres, là quand je coupe, s'il veut protéger par là, je peux aller en M2 et capturer les deux. Donc je coupe. Et finalement, il joue L3. Alors que s'il avait joué L3, que je coupais, à la place de jouer K3, peut-être qu'il aurait eu envie de monter en L4 ou de rajouter un coup par ici. Tac. Je peux pas couper comme une brute si je fais ça. Blanc, noir, blanc, noir. Moi, il me reste 3 libertés. Tac et Guetta. Ouais. Donc je peux aller ici. Et ça pue un peu pour tous ces pierres. Faut qu'ils sortent. Hein.
Il faut qu'il s'en aille. Bon, il vient couper. Quand on coupe dans un Kema, c'est pour couper. Ah. Enfin, là, c'était un Toby, on va dire. Mais là, il est en train de s'enfermer un peu tout seul. Est-ce qu'on peut pas jouer un truc par là? Si je fais ça, qu'il capture, on connecte. Si je fais ça, qu'il vient ici. On réagit comme ça. Et s'il coupe, on capture. Il serait obligé de revenir là. Et nous on protège, il force, on vient là, il y a des points de coupe. Peut-être sans toucher alors. Sans toucher, c'est peut-être mieux. Tac. S'il capture, on connecte, bien sûr. S'il vient là, on protège, il coupe. Et on viendrait ici, on aurait une pierre noire là, il a deux libertés, même s'il fait Atari, tac, Atari. Ah ben non, il n'y a pas Atari ici. Ouais, ça a l'air d'être ok de faire ça. Tac, il capture, on vient là. Il vient par ici, on bloque, il vient par ici. Encore une fois, il va vivre sûrement, mais on fait encore un mur encore conséquent, on joue par là, et finalement, on a pas mal de potentiel ici. Que ça peut être sympathique ça. On va empêcher de partir. Il va capturer. Ah, il fait ça comme ça. Ah oui, mais c'est moi qui me fais avoir du coup. Ah merde. Merde, merde, merde. Du coup, je perds ça. Ah, bien joué de sa part. Et mal joué de la mienne. Bah, je suis mort, hein. Ça sert à rien de résister. Donc autant dire, bah moi je vais prendre ça et toi tu prends ça. Mais l'échange est pas trop cool pour moi, je pense. Après, il prend ça. Maintenant, je vais rajouter mon coup par là. Parce que là, il faut qu'il rajoute un coup, sinon je protège. S'il veut couper, ouais, voilà. Ouais. S'il protège celle-là, bon, il peut sauver ses pierres, mais pour l'instant c'est plus intéressant d'aller par ici. Développer ce centre et aider ces pierres-là. Mais ouais, n'importe quoi. N'importe quoi. Pas du tout lui dans l'autre sens en fait, c'est cool. Bien joué de sa part. Il reste vachement de temps pour réfléchir en plus. Ouais, là il renforce par là, ok. On va venir mettre de la pression par ici. Comme ça. S'il vient là, on vient ici, s'il coupe Atari. Ouais, on va attaquer un peu. Il m'attaque également, très bien. On va venir par là. S'il avance ici, je peux aller là. Coupe. Ouais. On va faire ça. Noir, blanc. Noir, blanc. Noir, blanc. Et on peut aller attaquer durement ces pierres-là, j'imagine. Je sais pas, je sais pas. Tac, tac. Si je fais ça. Blanc, noir. Noir, blanc. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je vais tout simplement aller là tout de suite. Mais ouais, bon début de partie.
Et après, je m'égare, hein, j'ai l'impression quand même. Je m'égare pas mal. Et lui, il jouait très vite au début, et là, maintenant, ça va. Après, c'est l'impression qu'il a... il se mettait en handicap. Ouais, parce que là, il, en fait, à cause de cette pierre, il rentre facilement. Et il peut encore rentrer de tout côté, donc le centre, c'est vraiment dur à développer. Malgré mon mur, quoi, c'est triste. Et finalement, à droite, il fait pas mal de points. On va venir mettre de la pression, hein. Noir. Par là. Il bloque. Je suis là. Il vient comme ça, très bien. Très bien, très bien. On va bloquer par ici, menacer de venir en Kema là, mais là il reste des petits coups hein, par ici. Qui menace de connecter ici, ou en H1 peut-être, ou F1. On va attaquer, hein. On va attaquer. Il a pas deux yeux dans ça, je crois. Il n'a pas deux yeux, c'est le 4 idiot ici. Le 4 idiot, c'est une forme. S'il joue là, là et là, il a une forme en 4. Et même si c'est lui qui joue en premier dedans, ça fait la forme en 3 et la forme en 3, on peut tuer. Donc c'est pour ça, même en étant senté, il ne peut pas prendre. Donc ici, localement, il est mort. À moi de le tuer, du coup. Ici, je peux me laisser couper, parce qu'on peut capturer. Juste attention au nombre de libertés, mais... Pour l'instant, ça va. S'il vient là, on vient là. S'il vient là, on recule. Il vient de ce côté. Oh là là, il est fort. Ah, il m'a eu là. Il m'a eu, je crois. Parce que si je viens là, il peut aller ici. Je vais là. Atari, je vais là. Atari, je vais là. Il connecte. Et ça a l'air vraiment compliqué de bloquer tout ça. De le tuer. Ah, fait chier, je suis en train de me faire avoir tout le long. Tac, tac, tac. Si je viens là. En fait, le problème, c'est que si je touche trop par ici, dès que je perds une liberté là, c'est dangereux. On va bloquer, hein. Est-ce que ça, c'est pas un peu gourmand de sa part? Si je viens ici. Reculer là. Je viens là. On peut aller là. Et on vient ici. C'est bizarre. J'ai le droit de faire ça, non? Sauf s'il sort, je vais là, il peut aller là. Mais je... Ah, c'est compliqué. Je pense qu'il avait plus simple, hein. Il pouvait vivre direct et basta. Après, je fais pas encore le fier avec tout ça. Hein. C'est compliqué. Il connecte, donc je dois rajouter un coup, sinon je me fais capturer. Jusque là, on est d'accord. Et ben, il faut sortir. Ou alors couper par là. Blanc, noir. Blanc, noir. Blanc, noir. Blanc reviendrait. Connect. Oh, c'est compliqué. J'ai l'impression que je pourrais pas tuer.
tout. Ouais. Il faut que je prenne. Il fait atterrir là. Tac, et puis il vient là. Et il est vivant. Très bien. Il peut monter d'abord même pour abîmer mes formes. Mais s'il monte, ouais, on aurait peut-être pu aller là. Donc là, on va plutôt faire ça. Voilà, il fait son œil. Et ouais, c'est pas fou, hein. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ici? Pas vraiment, parce que quand je viens là, il vient ici, je dois d'abord capturer. Donc il est vivant et c'est percé ici. C'est. S'il vient ici, bah, il peut rentrer peut-être un peu, il peut rentrer par là. Là, ça va être très compliqué de développer quelque chose. Je sais pas. Je sais pas, parce que quand on compare au début de partie, Yoyomi. j'avais les points ici, j'avais les points là. Finalement, j'ai gagné ça et une force, mais qui est trouée de partout. On va peut-être aller par là. Essayer de bloquer par ici, mais quand il vient là, finalement, ces pierres-là sont vachement abîmées. Donc, est-ce que j'ai droit? J'ai pas l'impression. Faut d'abord que je vienne prendre de 10, l'espace ici. 9, Ou alors jouer 8, par là même. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il reste 4 périodes. Ce qui est bien, c'est quand il mettra la tare ici, je peux quand même connecter. Parce que même s'il connecte, moi je vais prendre ces pierres-là. Donc ça va. 10, Oui. 9, 8, 7, 6, 5, 4. On va aller par là, on peut encore aller en B17, un peu, de l'espace, et se connecter en C13, vraiment pour faire des yeux rapidement. Mais oui, je pense qu'il peut rentrer facilement dans le truc. Il doit y avoir des petites Tsuji par là. Regarde du F9. Je me demande s'il n'y a pas des petites choses. En ajoutant un coup par ici d'abord. Déjà, il pousse là, c'est gratuit. C'est gratuit de pousser, de pousser. Pouf, 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 pouf. À protéger, mais ouais, le centre va pas être si immense que ça. On va venir par là protéger. K17 est gros pour lui, il peut aller jusqu'en L17 voire M17. Et nous, on va prendre de la base de vie par là, je pense. Ça a l'air gros aussi. Si on rajoute ces 18, on est content. Donc il refuse. Est-ce qu'on peut prendre ça? Tac, tac, tac. Dix, neuf, huit, sept, six, Noir, on va perdre une cinq, période. Noir, quatre, blanc. trois, deux, un. Il reste 3 périodes. Sais pas. Je pense qu'on va juste reculer pour pouvoir aller jouer ailleurs. Mais il joue d'abord ailleurs, lui-même. Très bien. Très bien, très bien. Et il revient. On peut jouer par là. S'il joue au-dessous, on peut monter. S'il joue au-dessus, on peut descendre. S'il descend, on peut couper, non? Hop. On va réduire ça. Il vient par ici, très bien. Est-ce qu'on peut aller là? Peut-être pas. Tac. S'il vient là, je coupe. Protège, mais on perd pas mal en protégeant. Donc on peut aller là. On essaie de continuer à réduire. Allez par ici.
Il protège. Et quoi? Quoi d'autre? S'il monte, on monte. S'il va là, on va là. Il va ici, tac. Ça a l'air d'aller. On va aller par ici. Et par là. S'il prend... Non, il vaut mieux reculer. Très bien. Ah, pousser ici, petite faiblesse. Il va protéger comme ça, j'imagine. Ou peut-être solide, parce que s'il protège comme ça, il me reste encore ça après. C'est mieux. Je peux quand même pousser ici. Il vient ici et pousser là, ce qui menace de faire Atari et Atari. À moi de voir maintenant si ces petites faiblesses en D15, la coupe ici, ça peut vite être compliqué. Donc je pense que je vais rajouter un coup par là. Ouais, ça a l'air quand même important. Et finalement, on a quelques points hein, dans ce centre. Si je viens ici, je peux venir là. Si je protège, il connecte. Ce qui me tue tout là. Donc là, il faut que j'accepte d'être réduit. Et ouais, ça c'est gratuit pour lui. Il vient ici, est-ce que j'ai le droit d'aller là? J'ai l'impression que oui, mais... Tac, et là il peut jouer là de toute manière. Si je vais ici, il peut aller là, il connecte soit là, soit là. Si je bloque là, qu'il avance, je bloque là. 10. Il aura Atari, 9, Atari. 8, 7. Et ça met Atari ici aussi. Ouais. 5. On va quand même reculer. Il peut faire ce coup, bon, c'est pas bien grave. Il prend le CNT, il a raison. Et là, il y a un gros coup, hein. 5. On est d'accord, hein. C'est bien. On est d'accord, par contre, il peut pas T4. Donc, on va venir ici. On vient là. Et lui-même protège. Ok. Lui-même protège. Et moi, j'ai des gros coups par ici. Tac. Blanc. Noir. Blanc, noir, blanc protège, noir vient ici. Ah, il faut d'abord que je vienne là. Et là, je peux venir là. Est-ce que c'est utile d'aller là? Si je viens là, blanc, noir, blanc, il pourra avoir ce point là, alors que si je viens ici, tac, tac, il pourra pas l'avoir. Donc c'est plus intéressant d'aller là. D'abord, je vais faire 10, un coup 9. Comme ça, pas très beau, mais un petit CNT d'abord. Et... Ouais, ça a l'air beau quand même de venir. C'est rien ici, hein. Il sort, je capture. Ouais. Ok, on va venir là. J'ai l'impression que c'est un peu... Peu importe. C'est ça? Non. Atari. Il vient par ici, très bien. Je viens par là, sinon je meurs. Il peut quand même venir là, hein. De toute manière, il n'y a rien d'autre. Très bien. On vient là. Beaucoup de points logiques dans la partie, hein, parce qu'on est... je suis très d'accord avec ce qu'il fait. Et il vient m'attaquer. On va connecter, hein, mais du coup, s'il gagne de la force pour rentrer. Parce qu'ici, est-ce qu'il a droit? Ouais, c'était pas dit. Et nous, tac, tac. On peut d'abord venir là, parce qu'il peut pas avancer. Alors que si je viens là, il peut avancer ici et je perds un point. On va venir là, alors.
Hercule et je connecte. Et ça me fait ces deux points-là. C'est quand même un petit peu différent. Mmh. Ouais, c'est gratos. S'il vient ici, je peux bloquer. Pour faire Atari et couper. Je sais pas s'il y a grand-chose. Faut plutôt descendre ici, en fait. Tac. Ouais. Ok, il vient là. On va protéger comme ça. Protège nos formes un peu. Elles sont pas incroyables, donc autant les renforcer. Il pousse. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il vient là. Bon, il n'y a rien de spécial. On va faire cette Atari. Qui n'est pas forcément incroyable, mais bon, il y répond. Ok, cool. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bon, allez, petit point par là. S'il répond pas, on peut faire Atari, puis Atari, c'est chiant. Voilà. Et ici, il y aura des petites séquences. Si je joue là, ça a l'air d'un ergoté qui fait un point de plus, parce qu'un jour ou l'autre, il devra ajouter un coup. Ou alors je dois pousser là d'abord. Pour l'instant, ça fait pas grand chose, peut-être. Blanc, noir, blanc. Ouais, ouais, mes formes sont dégueu. Oui, bah non, mais y a rien en fait quand il connecte ici et mes formes sont dégueu. Ok. Pour l'instant, s'il fait Atari ici, je vais là, il descend. Je vais là, il vient ici. On peut mettre Atari. 10, 9, 8. Donc on peut venir là pour le moment. Ok, mais là il faut revenir protéger, j'imagine. Il pousse, on va connecter en bout. De toute manière, on n'a pas de belle forme. On protège. On peut venir par là, j'imagine. On pourra d'abord faire cet Atari. Parce que de toute façon, s'il continue, on coupera ici. Ok, il vient là. Qu'est-ce qu'il vit ici? Blanc, on capture. Mais ensuite, je peux venir là. Et je peux pas couper. Et si je viens là, tac, tac, tac. Pour faire ça, je capture. Venir là. Et on complète. Bon, maintenant qu'elle est de côté, autant les retirer. Point. Enfin, ouais. S'il pouvait connecter, ça lui faisait quelques petits points. Ça a l'air gros quand même. Tac, tac. Ça va. Il restera ça, deux points d'amée, il y a ça, un petit point ici à retirer, ici, et cette affaire-là. Et c'est à peu près tout. Ici, ben, si je menace de faire un point, il joue. S'il joue là, il joue là, s'il joue là, il joue là, donc il n'y a rien. Ouais, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et ça donne combien en points? J'ai 70 points. Et lui... Je lui dirais 65. Je dois mener de 5 points. Je mène de 5 points, j'ai l'impression. Le centre a suffi. Je pense qu'il pouvait mieux le réduire, effectivement. On disait ça d'abord. S'il continue, on fait ça. Ce serait un peu risqué s'il avait une pierre là avec des Atari, mais il l'a pas. Donc on peut d'abord faire ça, il vient là, je viens là, et comme ça il protège cette pierre plus tard.
Donc être juste côté. Ok. Donc je suis goté ici, c'est goté-goté. Goté-goté, ça veut dire moi je suis goté, mais si lui le jouait, il serait goté également. Donc ça c'est un goté-goté. Ça c'est un goté-goté. Je suis pas sûr qu'il y ait des gotés sente en fait. 10. C'est goté pour moi, mais qu'il lui retire 8, un sente à lui. En gros. 7, 6, 5, 4, 3. Bon, tout est 2, à peu près équivalent, non 1. Ouais, par là, c'est menace, elle est là. Et... Je sais pas. Pas le plus beau bout de le nez. Mais ça, ça vaut 1 point. Ça, ça vaut 1 point. Ça, ça vaut 1 point. Et sinon, il y aura ça qui vaudra 1, puisque s'il vient là, plus tard quand il viendra là et là, mais déjà celui-là c'est sûr qu'il le joue, qu'on le jouera un jour, mais s'il vient là, imaginons il n'y a pas de liberté là, Atari, et il vient là, 10, ça 9, peut être chiant. 8, 7, 6, 5. Bon allez, on prend un dégoté, et ici c'est des damés. Des coups qui ne servent à rien, si on était sur ce vrai Goban, il faudrait les compléter pour compter les points plus facilement. Comme ce coup-là par exemple. Exactement comme ce coup. On vient ici. Il vient là, il fait un point ici, ok, on vient là dans ce cas. Tac, tac. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Pas grand chose en fait. Peut-être si je connecte là, ça ferait Atari. Puis coupe. Et Atari, il sort. Et on sort. Oh là là, il faut que je, capture, que je calcule ça. Donc imaginons, blanc. Imaginons, on n'a pas de liberté là. Hein. Donc je vais là, il me reste 3 libertés, il coupe ici, il m'en reste 2. Si je fais Atari là, il va ici. Je fais Atari là, sur sa pierre. Donc il me reste une liberté ici, une liberté là. 10, s'il vient 9, ici. 8, 7, 6, 5, 4. Je capture, c'est un snapback. 3, 2, 1. Ouais, je crois que je dois rajouter. Je crois que je dois rajouter, sinon il y a un snapback qui se profile. Ici, s'il avance là, tac, non ça va. Est-ce qu'il reste un point? Est-ce qu'il reste un point? J'ai pas l'impression. Beaucoup de damés, hein, tous ces points-là. Non, il reste pas de 10, points. Est-ce qu'il se passe 9, quelque chose quand il joue là? 8, je pense 7, pas. 6, on va le prendre celui-là. 5, 4. Au cas où, juste pour avoir un groupe uni. C'est toujours agréable. On a que 2 groupes sur le Goban en soi. Enfin, 3 avec le mort. Il vient ici, on va compléter. Et on va forcer les coups à compléter. Hop. On va aller là. S'il veut jouer les damés, on va jouer les damés. C'est un peu plus propre, c'est vrai. On va venir ici. On peut pousser là, je connecte. Passe. Non, s'il pousse là, je vais là. Ok, il veut pas jouer les dames. Très bien. Je enlever passe également. Les pierres mortes. Voilà, et je mène de 4,5. Ouais, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Donc on accepte les pierres mortes. J'ai pas cliqué. Si, c'est lui qui n'a pas cliqué. Très bien. Vous avez gagné. Et on gagne de 4,5. Je vais dire merci pour la partie. Je lui avais pas dit bonne partie, ça c'est pas bien. Bon, il est parti. Il est parti de toute manière. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine !